Bonjour, bienvenue aux 2 minutes juridiques avec le cabinet d'avocat Landau Associé par VK. On va parler de responsabilité en quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec le Conseil d'État qui nous dit que tenir des propos racistes et critiquer la politique vaccinale du gouvernement peut suffire à l'infliction d'une sanction disciplinaire. En matière de contrat, ça y est, il faut y aller. On est de nouveau obligé de respecter l'article 58 de la loi AGEC, c'est-à-dire l'application REAP, donc de déclarer les dépenses 2023 pour les achats de biens issus du réemploi, réutilisation, recyclage. Il y a des seuils, hein. Quelle attitude aussi l'acheteur public doit-il adopter quand il a des offres identiques présentées par deux filiales? C'est pas la première jurisprudence sur ce point, mais une nouvelle pierre est apportée à cet édifice par le TA de Nîmes. Et nombre de pierres sont apportées à l'édifice des meublés de tourisme. La Cour de cassation, le 11 janvier 2024, a confirmé que l'on ne pourra pas s'appuyer sur des documents postérieurs au 1er janvier 1970 pour supposer d'un bien qu'il était affecté à l'habitation. Ça confirme et amplifie une jurisprudence de septembre précédent. Validation en revanche par la CA de Bordeaux du régime d'autorisation préalable fait dans la métropole bordelaise sur toujours ces meublés de tourisme et une proposition de loi dure qui fait un parcours qui devrait la conduire à un nouveau texte de loi sur ce sujet. Le texte de loi dont on a parlé la semaine dernière, c'est la loi de finances. Et on commence à avoir plus d'informations sur le fait que, le compte financier unique, qui fusionne compte administratif et compte de gestion, va bien être obligatoire à partir de 2026. Je vous ai mis quelques éléments complémentaires sur ce point. En matière de responsabilité, l'arrêt doublé est définitivement dépassé. Je m'explique. Quand on a un pouvoir de police, très bien, une autorité de police administrative, qui est coupable par inaction, eh bien, est-ce que la collectivité concernée devra indemniser une éventuelle victime seulement quand il y a un péril grave? Oui, nous disait l'arrêt Doublet. Eh bien, on a de plus en plus des jurisprudences qui disent que non, il n'y a pas besoin de démontrer un péril grave. Confirmation encore à classer à Nancy. Et puis, en matière d'urbanisme, le Conseil d'État a rendu une décision intéressante sur le PLU quand on a une appellation d'origine protégée en termes d'avis de la commission. Donc je vous ai mis ici les références. En matière d'eau, un décret a été publié avec pas mal de choses. C'est surtout une question de définition sur les travaux sur les milieux aquatiques, mais avec un élément important et un peu restreignant sur les curages des cours d'eau, mais aussi mares et autres amadeaux. Et puis les mini-brèves, que voici et que voilà. Passons à notre grand dossier. Responsabilité pénale dans le monde local, que disent les chiffres? Et oui, parce que tous les ans, en matière de responsabilité pénale, on attend le rapport de l'Observatoire de la SMACL qui nous donne des chiffres passionnants et qui fait une revue des jurisprudences de l'année et qui étudie un certain nombre de choses. Et donc là, un bilan sur 2023 vient, en ce janvier 2024, d'être diffusé. Et j'ai voulu regarder ceci avec vous et interroger Luc Brunet, qui est responsable de cet observatoire. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Alors, une première fois, vous avez fait un gros travail, c'est passionnant. Merci. Et on a une confirmation de ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que l'on a une relative stabilité, une petite hausse quand même, des condamnations. Mais en amont de ces condamnations, on a une explosion du nombre de mises en examen et plus encore d'enquêtes préliminaires, même si sur les enquêtes préliminaires, on a moins de chiffres. C'est bien cela? C'est ça, vous avez tout compris. Disons que sur le nombre d'élus locaux poursuivis au cours de la mandature 2014-2020, il y a un cap qui a été franchi très nettement, puisque la barre symbolique des 2000 élus locaux mis en cause au cours de la mandature a été franchie, et nous estimons avec une augmentation de 55% par rapport à la précédente mandature. Et nous estimons que sur la mandature 2020-2026, on devrait connaître une nouvelle augmentation de l'ordre de 15% à peu près, avec environ 2300 élus qui devraient être mis en cause au cours de cette mandature. Mais effectivement, par rapport aux condamnations, pour le coup, les condamnations sont moins importantes. On constate de manière générale que plus de 6 élus sur 10 qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Alors, ceci dit, nos chiffres sur la mandature 2014-2020, sur les condamnations, ils ne sont pas encore consolidés et ils vont encore évoluer à la hausse, puisqu'il y a encore des procédures en cours,
Donc, on pense qu'on va arriver à 750 élus condamnés pour la mandature 2014-2020. Et pour l'instant, on en a recensé un peu plus de 500. Oui, donc on a plus de risques d'être, plus qu'avant, en tout cas plus que dans les années 90 ou début 2000, d'être sous les projecteurs, éreinté par le tribunal médiatique, stressé par la mise en examen, alors qu'en fait on est jugé innocent à la fin. Oui, c'est ça, et une procédure pénale. Une procédure pénale, c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre, c'est pas une partie de plaisir, et ça a des répercussions sur la vie personnelle avec les articles de presse qui l'accompagnent, et effectivement, les désagréments qui peuvent être lourds, y compris sur la vie personnelle, même si au final, on bénéficie d'une décision qui est favorable. Alors, si on commence à détailler les infractions involontaires, homicide, blessure parlementaire, pollution bien souvent, restent stables avec en plus l'application de la grille de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui est bénéfique et qui doit servir de cadre hein, quand on va ensuite calibrer son action. Mais en revanche, on continue à une montée en puissance du favoritisme, 432-14, de la prise illégale d'intérêt, 432-12, mais il faut penser aussi au 432-13. Et ça, on est sur des infractions qui sont souvent commises par inadvertance. Effectivement, les manquements au devoir de probité, ça reste toujours le premier motif de poursuite et de condamnation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux, et de très loin, le problème de ces infractions, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est qu'effectivement, certaines d'entre elles sont rédigées, sont très ouvertes, dont tout particulièrement le délit de prise illégale d'intérêt, qui peut être caractérisé très facilement sans que l'élu qui a été poursuivi, voire même condamné, ait nécessairement recherché un intérêt personnel. Je cite souvent l'exemple, malheureusement, qui est symptomatique de trois élus, quatre élus même, qui ont été poursuivis dans une commune rurale de 250 habitants, qui ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt pour le vote d'une malheureuse subvention de 250 euros à une association qui organisait la fête de la poterie au village. Manifestement, si le contentieux avait été porté devant le juge administratif n'aurait rien trouvé à redire à cette participation devant le juge pénal, au regard de l'article 432-12 du code pénal tel qu'il est rédigé actuellement. Le juge est entré dans votre condamnation, même s'il a dispensé les élus de peine, il reste qu'ils ont été condamnés pour un manquement de votre probité. Et là, avec un échec total, la Cour de cassation nous l'a bien dit, de la loi de confiance en justice de 2021, mais quelques redéfinitions sur les règles de déport de la loi 3DS qui sont les bienvenues, c'est bien ça? Alors oui, effectivement, la loi dans la confiance de l'institution judiciaire, bon, c'est un coup d'épée dans l'eau, manifestement, hein, puisque la Cour de cassation qui a eu à se prononcer sur l'effet rétroactif ou non de la loi pénale plus douce, a considéré que c'était neutre, donc intérêt quelconque ou intérêt de nature à compromettre gravement l'impartialité ou l'objectivité de l'élu, c'est du pareil au même. Par contre, effectivement, je suis d'accord, il y a des règles de déport qui infusent petit à petit et qui peuvent être mises en œuvre au sein des collectivités. Il n'en demeure pas moins que je pense que ce ne serait pas du luxe de retoucher l'article 432-12 du Code pénal pour mieux cibler la répression sur ceux qui ont vraiment porté atteinte à l'intérêt général. Il n'est jamais de bonne politique pénale de mettre dans le même sac des prévenus qui sont malhonnêtes avec des prévenus qui sont de bonne foi. Et on voit malheureusement, au travers des exemples que vous pourrez trouver dans le rapport, que on peut vraiment mais vraiment se retrouver devant le juge pénal, alors que non seulement on ne s'est rien mis dans la poche, mais en plus on a poursuivi l'intérêt général. Donc c'est plutôt gênant. Mais au total, vos chiffres le disent bien. Même si on intègre ces condamnations discutables, les chiffres démontrent bien que nos élus et nos cadres publics sont dans leur immense majorité honnêtes. Oui, alors toute infraction confondue pour les élus, l'ensemble des élus locaux, y compris un élu sans délégation ou un élu de l'opposition qui peut engager sa responsabilité pénale, par exemple pour diffamation, le taux de mise en cause pénale de l'ensemble des élus locaux est de 0,35%. Vous voyez, très très loin du tout pourri, évidemment. Si on cible sur les chefs de l'exécutif locaux, c'est un peu plus prononcé, puisque forcément les exécutifs locaux sont plus exposés. Donc l'ensemble des exécutifs locaux, c'est un taux de 2,48%. Et pour les maires, ce taux est de 2,80%. Si on focalise uniquement sur les manquements aux probités, le taux de mise en cause pénale des maires est de 1,15%. Et qui dit poursuite, encore une fois, ne dit pas condamnation. Ce qui ne veut pas dire
qu'il n'y a pas des axes de progression à avoir dans les collectivités et que pour autant, il n'y a pas un sujet éthique et des préoccupations éthiques à avoir, bien évidemment. Mais il faut prendre du recul, évidemment, par rapport à ce sujet. Les chiffres sont un peu plus bas pour les cadres territoriaux que pour les élus. Bon, c'est vrai aussi que pour la prise d'égal intérêt, il y a moins de difficultés à faire cohabiter sa vie professionnelle ou son mandat avec la vie personnelle. Mais pour les fonctionnaires, on note une petite montée en puissance des questions de violence sexiste et sexuelle. Alors effectivement, sur les fonctionnaires territoriaux, alors de manière générale, les fonctionnaires territoriaux, en valeur absolue, sont deux fois moins exposés que ne le sont les élus. Sur la mandature 2014-2020, on a recensé un peu plus de 1000 fonctionnaires territoriaux poursuivis, mais aussi en progression de 26%. Et sur la mandature 2020-2026, on estime que ça va encore progresser de plus de 30%. Dans les contentieux, effectivement, il y a les manquements aux droits de probité, comme les élus. C'est le premier motif de poursuite et de condamnation des fonctionnaires territoriaux, et de loin. Mais effectivement, on a relevé que les violences sexistes et les violences sexuelles constituaient une zone de contentieux pour les fonctionnaires territoriaux. Alors, il faut relativiser dans la mesure où en nombre, ça reste peu important, mais c'est quand même le troisième motif de poursuite des fonctionnaires territoriaux sur la mandature 2014-2020 et le deuxième motif de condamnation. Donc voilà, c'est un sujet effectivement sur lequel les collectivités doivent se sensibiliser. On peut penser que c'est aussi dans le prolongement du mouvement MeToo que des affaires ont pu ressortir alors qu'elles étaient étouffées avant. Ça ne veut pas nécessairement dire, attention, qu'il y a plus d'affaires de ce type actuellement, mais c'est peut-être qu'elles sont mieux traitées aujourd'hui. Et puis, un petit point de vigilance qui vous inquiète, qui nous inquiète tous d'ailleurs, sur la protection fonctionnelle, surtout en prise d'égal d'intérêt. Oui, un point de vigilance sur l'octroi de la protection fonctionnelle avec un arrêt important de la Chambre criminelle qui a été rendu le 8 mars 2023, où un élu qui a été poursuivi pénalement pour prise illégale d'intérêt a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il a bien pris soin de ne pas prendre part au vote ni au débat. Néanmoins, il a été poursuivi sur initiative du parquet pour détournement de fonds publics et la Cour de cassation a répondu qu'effectivement, un détournement de fonds publics pouvait être caractérisé dans ce type-là, estimant que la protection fonctionnelle ne pouvait pas être accordée lorsqu'il y avait des poursuites pour prise illégale d'intérêt. Et ce qui est gênant, c'est que la Cour de cassation adopte un peu une formule de principe, ce qui interroge effectivement sur le champ de la protection fonctionnelle. Donc autant la protection fonctionnelle, lorsque l'élu est agressé dans l'exercice des fonctions, ça ne posera pas de difficulté, autant lorsque il s'agit d'une mise en cause, et c'est pareil pour les fonctionnaires, il faudra être vigilant et se demander si l'octroi est vraiment dû, parce que il peut y avoir, entre guillemets, un deuxième effet qui se coule avec de nouvelles poursuites pour détournement de fonds publics. Donc, un point de vigilance à avoir sur ce point. Oui, ça avait déjà été jugé par la Cour de cassation pour le favoritisme. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Luc. C'est un travail passionnant. Merci, Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.